des harcèlements qu'il subit sur les réseaux sociaux de la part d'une femme qu'il a connue, d'une femme qu'il a fait, d'une femme qu'il a propulsé, une femme qu'il a investi en elle. Mais cette femme-là, depuis qu'elle a eu une photo avec Emmanuel Keïta, elle n'est plus stable. Vous savez, beaucoup de personnes ont tendance à dire ici que l'homme là, il doit être réservé. Un homme doit prendre tout sur lui. Un homme là, il ne doit pas répondre à la femme en public. Un homme là, il ne doit pas se jouer le manoroyé. On a compris. L'homme là, il doit se réserver. Il doit prendre sur lui. Mais quand trop c'est trop là, on fait comment? Quand trop c'est trop en public là, parce que ne pensez pas que l'homme n'a pas de dignité. Hein. Ne pensez pas qu'un homme là, il est quitté en haut pour tomber. Hein. Le même cœur, ce qui vous différencie d'un homme là, hein, c'est les parties intimes. Hein. Sinon là, femme et l'homme là, on est sur le même pied d'égalité. De la même manière que rien ne peut vous ne laissez rien passer là. C'est comme ça on a un cœur là, qui ne laisse rien passer aussi. Mais sauf que là, tu te mets dans une posture, tu te dis que c'est femme qui a parlé, tu n'es pas obligé de répondre. Mais quand elle répète là, elle va te pousser à voir quelque chose. Quand elle répète, elle continue, c'est qu'elle va te pousser à voir quelque chose. Mais quand la chose sort là, moi j'ai suivi le direct de Kafumba. Voilà. Parce que ne faites pas que les hommes, les mamans, hein, ils ont des parents qui les suivent. Hein. Donc ne pensez pas que quand tu es femme, tu viens faire connerie sur Internet là. L'homme est là et puis même si lui, il peut prendre sur lui. Vous pensez que là, sa famille n'est pas là. Où est Kafumba là? Quand ses parents apprennent qu'il a investi des millions sur une fille qui est en train de passer son temps à le dénigrer aujourd'hui là. Vous pensez que ses parents sont fiers de lui? Mais il va venir dire comment la situation s'est passée. Et il a fait ça dans un respect absolu. Il n'a pas manqué de respect à cette dernière. Il n'a pas livré cette dernière en holocauste. Il n'a pas dit allez-y l'insulter. Il est venu rétablir la vérité. Il est venu dire ce pourquoi elle est en train de traîner sur les réseaux sociaux matin, midi, soir. Là. Il est venu établir la vérité. Parce qu'on le veuille ou pas, là, Kafumba là, et Emmanuel Keïta, là, ils vont toujours se voir. Pourquoi ils vont se voir? Parce qu'ils ont deux enfants ensemble. Si tu as un problème avec Emmanuel Keïta, mais ça te regarde. Si tu as un problème avec Kafumba, mais ça te regarde. Mais ce n'est pas parce que lui, il va parler. Et que comme il est avec Emmanuel Keïta et que tu as vu Emmanuel Keïta, toi tu vas te promener dans les inbox, mais d'après toi en train de casser les papos. Pourquoi cette affaire est en train de dégénérer? C'est parce qu'il y a un nom de Emmanuel Keïta dedans. Si c'était une personne lambda là, ça allait être vu et ignoré. Elle est en train de faire ça. Elle est en train d'activer le feu là. C'est parce qu'il y a un nom de Emmanuel Keïta dedans. Donc allons-y sur le fait que les gens même pensent que Kafumba est ruiné. Kafumba est ruiné. Est-ce que vous savez de qui vous parlez même? Est-ce que vous savez de qui vous parlez? Kafumba, vous pensez que c'est vos joueurs là. Vos joueurs qui ont joué au ballon, et puis ils ne savent pas dans quoi ils ont investi leur argent, ils sont allés prendre l'argent pour aller maintenant maquiller là. Vous pensez que c'est Kafumba? Est-ce que vous savez de qui vous parlez même? Hein? Donc vous êtes assis dans votre maison, quand quelqu'un fait une vidéo, donc il n'a plus l'argent dans sa vie quoi. Kafumba pia, faut qu'il mette ça dans votre tête en même temps. Kafumba là, il a pia même, c'est désordonné même. S'il a fait ça pour la fille, et qu'elle n'a pas été reconnaissante, et que tout ce qu'elle trouve à lui dire, c'est de venir l'exposer sur les réseaux sociaux, mais c'est que c'est elle la sorcière. Si lui, il investit des millions en elle, et que, au lieu d'être reconnaissante là, elle préfère venir l'exposer sur Internet, c'est qu'elle là, c'est une sorcière. Regardez-moi une fille, une femme censée être réfléchie, qui prend la conversation de son ex, ou bien bon, son ex-mari, mais qui prend pour donner ça à des pages qui détestent Emmanuel Keïta, des pages qui sont prêtes à livrer Emmanuel Keïta en holocauste. Parce que pourquoi? Kafumba s'est affiché simplement avec Emmanuel Keïta. Mais avant que Kafumba s'affiche avec Emmanuel Keïta, là, la question qu'on doit se poser là, est-ce que Kafumba était consentant? Est-ce qu'il était d'accord de prendre la photo? Oui, il était d'accord de prendre la photo. Mais en cette position-là, est-ce qu'il était toujours avec cette fille-là? Est-ce qu'on s'est posé des questions? Non, il n'était plus avec elle. Donc, est-ce qu'il est libre de ses choix? Oui, il est libre de ses choix. Donc, vous lui reprochez quoi? Vous lui reprochez du fait qu'il est venu parler. Donc, elle a le droit de manipuler tout le monde autour d'elle. Parce que c'est une manipulatrice. Voilà. C'est elle, au fait,
de par son comportement là, on peut comprendre que c'est elle qui complote, c'est elle qui est en, qui est en train de comploter pour essayer, pour qu'on salisse le nom d'Emmanuel Keïta sur la toile. Parce que pendant combien d'années, ils ont sali Emmanuel Keïta sur la toile. Et que cette femme-là, elle était assise tapie dans l'ombre. Elle, et puis, elle a tout fait pour ne pas que le gars dise la vérité sur tout ce qui se passait. Bob Lee a lavé Emmanuel Keïta comme ça. Père à son âme, je ne voulais pas mentionner son nom ici. Mais il a lavé Emmanuel Keïta ici, propre ici. Mais quand elle, son nom sort là-bas, là, vous voulez qu'on pense quoi de cette femme-là? C'est-à-dire, malgré qu'elle était dans sa relation-là, elle n'était pas en confiance. Malgré qu'elle était dans sa relation-là, et que du seul fait que son gars-là, c'est l'ex d'Emmanuel Keïta-là, mais la dame n'était pas en confiance. Appeler un chien. Donc, tout ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui-là, elle est en train de faire valoir sa ruse, au fait. Elle est en train de faire savoir aux gens qu'elle ne sera jamais contente que Kafumba pas de voix Emmanuel Keïta, quelles que soient les circonstances. Quelles que soient les circonstances, elle ne sera jamais d'accord avec ça. Donc, au fait, c'est une guerre contre Emmanuel Keïta. Ce n'est pas une guerre contre Kafumba. Parce que Kafumba, là, ce qu'il est venu dire, là, mais tout homme, là, à un moment donné, il faut rétablir la vérité. Hein. Parce que la vérité, là, quand tu viens dire, là, c'est parce que tu as la pression de beaucoup de personnes derrière toi. Tu as la pression de beaucoup de... Tout ce qu'elle dit, là, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est toi? Est-ce que ce qu'elle dit, là, cette femme-là, c'est toi? Mais à un moment donné, là, tu es obligé de rétablir la vérité. Il est venu dire vraiment que j'ai investi telle somme de millions en elle, j'ai fait ceci, EK ne m'a jamais demandé ce... Mais il a dit la vérité. Il n'est plus avec EK. Mais il a dit ce qu'il est. Maintenant, ceux qui lui reprochent de dire pourquoi tu ne faisais pas vidéo dans le temps et c'est maintenant que tu viens faire vidéo et tout et qu'on sort. Oh, c'est pas tout le monde qui est vidéoman. Hein. C'est pas tout le monde qui est vidéoman. Le gars, c'est un homme d'affaires. Voilà. Le gars, là, c'est quelqu'un qui est concentré. Donc, ne pensez pas que, voilà, les gens ont des justifications à vous donner ici. Maintenant, ceux qui pensent que l'autre, là, parce qu'il n'a pas envie de mentionner son nom ici pour lui donner du buzz, c'est qu'elle est en train de faire la raison, là. Mais cette femme, elle est très toxique. Ce qu'elle fait, là, c'est une jalousie qu'elle est en train de mettre en place. Elle ne veut pas, en vérité, voir Emmanuel Keïta avec Kafumba. Elle ne veut pas. Mais tu ne peux pas empêcher le naturel, au fait. Tu ne peux pas empêcher que le père de ses enfants voie la femme avec qui il a fait l'enfant. Ça ne peut pas se passer. Parce que le jour où il va voir ses enfants-là, il sera obligé d'affronter cette dame-là obligée. Mais comme aujourd'hui, ce monsieur est venu dire que Emmanuel Keïta a été une femme exemplaire. Mais vous-même, vous n'avez pas marre. Depuis combien d'années vous salissez le nom d'Emmanuel Keïta? Depuis combien d'années? Vous n'avez pas marre. Au moins, si son ex vient dire aujourd'hui que Emmanuel Keïta n'a jamais été cette femme-là, que tout le monde pense là. Mais au moins, c'est une grâce. Il t'a pas sali. Il n'a pas sali Emmanuel Keïta. Il t'a pas sali. Il a dit ce que tu es. Tu es une femme, tu es une femme à qui il a misé beaucoup d'argent. Il n'a pas menti sur toi. Et quand il te voit avec ton comportement aujourd'hui, là, lui, il est choqué. Parce qu'il se dit que d'autres filles à qui il allait donner 30 millions, 40 millions pour investir dans des projets, là, la fille allait le respecter. Mais toi, tu fais le contraire de ça. Donc, il est choqué. Il est étonné. Il a même vendu ses biens à cause de toi. Mais tu l'as poussé jusqu'à ce qu'il vienne dire ça sur les réseaux sociaux. Donc la faute là, c'est qui? C'est pas Kafumba. La faute, c'est la dame. Parce que la dame là, c'est une sorcière. Mais c'est un sorcier qui peut te pousser à faire des choses qui dépassent ton entendement. C'est un sorcier qui peut te pousser à venir faire du mal. Sinon, quelqu'un qui est censé là. Ah, le monsieur là a déjà vendu beaucoup de choses dans sa vie à cause de moi. Hein. Non, je vais tout faire, mais pas l'exposer. Je vais tout faire, mais franchement, si je ne suis plus avec lui, je ne suis plus avec lui. Mais il a tout fait pour toi. Il s'est battu pour toi. Il a tout fait. Non, Kafumba, c'est EK qui est ruiné. Vous l'avez. Et puis, il y a une bande de peste sur Facebook là. Une bande d'arrivistes là. Des gens même pour avoir un mari, mais c'est tout un tas de problèmes. Il y a des gens même pour avoir. C'est-à-dire que vous là, depuis on vous connaît là, c'est Mougoupan. Depuis on vous connaît là, c'est Mougoupan.
Vous n'arrivez même pas même à vous faire draguer. Vous voyez un truc aussi sérieux comme ça, et puis voir des boîtes venir mettre leur bouche dedans. Que non, Kafumba même là, il se prend pour qui? Pourquoi tu viens défendre les manèques Keita? Pourquoi tu viens faire ça les manèques Keita? C'est maintenant, c'est maintenant, il a le temps. C'est maintenant, il doit venir dire la vérité. Parce que dans le temps là, il était matrixé. Dans le temps là, ils ne lui ont pas dit la vérité. Dans le temps là, il voulait faire ce qui est bien, mais il était avec une fille qui ne voulait pas. Dans le temps là, il était avec une fille qui pompait les gens à faire du aide-moi à détester sur la personne d'Emmanuel Keita. On parle de quoi ici? Le gars, il n'a rien dit d'abord, il a fait une vidéo seulement. Il n'a rien dit d'abord. Quand Chambellin gâtait le nom d'Emmanuel Keita ici, là, vous étiez content, non? Quand Chambellin, là, il gâtait le nom d'Emmanuel Keita ici, là, vous étiez content, non? Mais quand une personne vient réparer le nom d'Emmanuel Keita, en quoi ça vous fait mal? Ça vous fait mal, là, c'est pourquoi? Chambellin insulte, il a déposé tous les dossiers sur Internet ici, non? Mais pourquoi quand c'était Emmanuel Keita, cette solidarité féminine, là, pourquoi vous n'avez pas mis en marche pour aller attaquer Chambellin? Et vous avez traité Chambellin de garçon le plus dangereux de la toile. Hein? Pourquoi vous n'avez pas dit à Chambellin qu'on n'expose pas femme sur Internet? Et que quand femme parle, on laisse tomber. Ah, vous avez su. En fait, le problème, c'est pas ce qui se passait. C'est Emmanuel Keita le problème. Parce que quand c'était hier, là, quand Chambellin exposait Emmanuel Keita, là, on disait pas que Chambellin, là, c'est garçon princesse. Hein. On disait que c'est un dur. Il a mougou Emmanuel Keita. Il a jeté Emmanuel Keita. C'est pas ce qu'on a dit ici. Peter 007, là. Quand il est sorti sur Emmanuel Keita ici, là, c'est pas vous les mecs qui avez dit que non, le mamou, le plus beau, il allait arracher sa bague de 2000 euros. C'est pas vous-même qui avez dit ça ici. Donc là, c'était pas garçon princesse. Quand il s'agit de détruire Emmanuel Keita là, là, tout ce. C'est-à-dire que c'est des durs, au fait. C'est des garçons. C'est des piliers. Ça, c'est les gens, ça. Hein? Mais quand quelqu'un vient réparer, lui, il est garçon princesse. Lui, il est femme. Quand quelqu'un vient dire que Emmanuel Keita n'a jamais rien fait, à lui, il est pédé. À lui, n'est pas bon. Famille, partagez, invitez vos amis, s'il vous plaît. Partagez, invitez vos amis, famille, on a 500 personnes, s'il vous plaît, partagez, le direct est en train de bugger ici. Partagez, mettez sur le cœur, s'il vous plaît. Vous avez la mémoire courte, hein? Genre comme si c'est hier les choses se sont passées ici. Mais cette femme-là, elle a besoin que la vérité aussi soit rétablie de son côté. Parce qu'on a eu beaucoup de personnes qui sont venues la salir ici. On a eu beaucoup de personnes, des menteuses même se sont levées ici pour dire non, que Emmanuel Keita n'a pas l'étude de ce jour pour venir en France. Des sorcières errants se sont levés ici pour dire ça. Mais quand c'est comme ça, là, appelez le nom. Non, mais quand c'est Emmanuel Keita, ça doit aller, ça doit virer vers la gauche, quoi. Dans les autres, là, eux sont garçons aussi. Donc appelez tous les Chambellin, les Peter 007, les XXY, là. Appelez eux tous garçons princesses aussi. Parce qu'eux aussi, ils ont beaucoup parlé sur Internet ici. Voilà. Kafumba, là, lui, il a fait une seule vidéo seulement. Kafumba fait une seule vidéo. On connaît des gens qui dormaient sur Emmanuel Keita matin, midi, soir ici. Chambellin partait à Dubaï et puis faisait une vidéo à Dubaï. Il parle de Emmanuel Keita. Il sort tous les dossiers sur Emmanuel Keita. Comment ils couchent ensemble. Comment la fille n'est pas agréable. Comment la fille pue. Il a tout dit ici. Mais vous avez pris ça sur vous. Vous avez dit que oui, c'est un garçon. Il a mougou, il a arraché sa Range Rover. Et que Emmanuel Keita, c'était une pafloteuse. C'était une voleuse. Vous avez dit ça ici. Partagez maintenant sur le cœur, s'il vous plaît. Pompez le cœur, famille, partagez. Yéri, c'est un coup KO. Ça, là encore, là, c'est entré en matière. Partagez, invitez vos amis, s'il vous plaît. Viens sur mon visage. Partagez, vous ne partagez pas, je ne sens pas. Partagez, pendant que vous partagez la pause publicitaire. Pour tous ceux qui veulent venir en Europe. Voilà. Formation et tout, et console. Là. Famille, partagez. Partagez le direct, là. Je ne sens pas les partages. Ça bug là. Partagez, on framponnait les rangs. Taguez-moi Emmanuel Keita. Il y a dit, taguez tous les ex d'Emmanuel Keita là. Taguez-les-moi tous. Voilà. Et puis on va venir dire ici, qui est garçon, princesse, qui est quelqu'un. Vous savez, comme il vous a dit là, les poulets sont là. Les poulets sont là. Taguez-moi tous ceux que vous connaissez là.
Kafouba a parlé. Pourquoi Kafouba est venu défendre Emmanuel Keïta? Mais il n'a pas défendu Emmanuel Keïta. C'est un petit musulman, il a peur de Dieu. Il a dit ce qui est réel. Parce que cette femme-là, cette femme qui est tapie dans l'ombre-là, elle est toxique au fait. Cette femme-là est très toxique. Cette femme-là ne l'arrange pas. Cette femme-là le pousse à faire des bêtises. Oui! Cette femme-là, elle, quand elle était avec lui, là, mais regardez même, regardez. Elle a pris le message de Kafouba. On va tout dire de Kafouba, mais c'est un international footballeur. C'est un international, c'est quelqu'un qui a mouillé le maillot pour la Côte d'Ivoire. Elle prend le message du monsieur, ce qu'ils se sont dit en privé. Là. Elle prend ça et puis elle va mettre ça dans... C'est-à-dire qu'elle met ça sur les réseaux sociaux. Vous pensez que c'est quelqu'un ça? Elle prend le message du monsieur et puis elle va mettre ça sur... Elle va mettre... Parce que le monsieur doit lui demander pardon. Mais l'affaire s'est passée en janvier 2022. Les messages que vous voyez sur Internet, après on dit que Kafouba est en train de demander pardon. Là. C'est normal quand tu es dans une relation. Là. Un homme, là, il se bat toujours pour sa relation. Quand tu es dans une relation, tu ne veux pas que ça se gâte. Un homme qui demande pardon dans une relation, ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse. Quand tu aimes une femme là, et qu'elle veut partir, là, après t'avoir grugé, là, après t'avoir dépouillé de tous tes fonds, là, quand elle veut partir, là, mais ça fait mal. Parce que quand vous voyez les messages qu'elle affiche là, c'est après avoir pris les 30 millions, après avoir pris les 20 millions, après avoir pris les 40 millions, où elle est bien stable, elle est bien bée maintenant là. Elle veut partir. Mais le gars, ça n'a jamais été ses ambitions. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il supplie. Non, il ne faut pas partir, il faut rester. C'est normal, c'est un homme. Mais quand elle vient afficher le message là, c'est pour mettre le gars quoi? C'est pour mettre le gars plat. Mais l'affaire s'est passée en janvier 2022. Ça fait 2 ans bientôt. 2 ans bientôt, quand elle va donner ça aux gens de publier là, vous pensez que ça c'est quelqu'un ça? C'est une femme à qui vous devez accorder du crédit ça? C'est une sorcière, c'est pas quelqu'un. Vous pensez que c'est quelqu'un ça? Un Kafouba là, tout le monde connaît Kafouba à Abidjan. C'est un bobo, il parle même pas. Qui connaît pas Kafouba? Il parle même pas, il n'est même pas dans le bruit. Mais cette femme là pousse le monsieur à sortir. Donc vous devez déjà comprendre. Quelle est cette femme-là? Moi, où je vois Kafouba dans Abidjan, là, c'est au port. C'est quelqu'un qui a ses actions au port. Celui qui veut voir Kafouba aujourd'hui, il est au port. Il ne parle pas. Il fait ses business à Abidjan. Tout le monde le connaît. Mais elle a poussé à faire vidéo. Donc, imaginez qui est cette femme réellement. Parce qu'il est fatigué du mensonge. Mais quand tu es fatigué du mensonge, là, mais il faut rétablir la vérité. On dit pourquoi il vient parler en public. Mais ce n'est pas en public qu'elle est en train de faire ta page là. C'est statut visé qu'elle fait là. Ce n'est pas en public. Ou même c'est dans la chambre de haut, papa. C'est. Comment on appelle ça? C'est quoi on appelle ça? C'est papatouille qu'elle fait en inbox là. Ce n'est pas en public. Quand tu as connu quelqu'un là et que tu le respectes là, est-ce que tu vas donner ça à ton voisin? Pour que ton voisin sache ce qui se passe dans votre foyer. Mais c'est en public qu'elle fait, non? Mais s'il a tu trop et trop là, il va venir en public pour dire que celle-là, il n'y a pas plus. Il n'y a pas plus maudit qu'elle. Lui encore, il a parlé doucement. Il l'a respecté jusqu'à la... C'est-à-dire qu'il lui a donné même la place de femme. Si c'était un bas, un aussi, quelqu'un qui a fait comme ça, sur le front, il a bas bien quand il est devenu quelqu'un. Toi, il va t'investir son langue dans toi. Toi, tu as venu sur Facebook pour lui montrer que toi, tu es bas bien, quoi. Mais quand lui vient là, lui, il ne parle pas comme il est en train de parler là. Il ne parle pas comme Kafouba. Quand lui vient là, c'est pour casser les vrais dossiers. Vous parlez de quoi? Quelqu'un investit son million dans femme et puis cette femme est en train de se jouer, en train de prendre son argent pour payer les blogueurs, pour aller insulter la mère de ses enfants. C'est quelque chose ça? C'est quelque chose? Elle paye les blogueurs pour insulter la mère de ses enfants. C'est ton moi, il prend mon nom pour te donner. Toi, tu prends mon nom pour aller payer les gens pour insulter la mère de mon enfant. C'est ça, c'est une vie ça. Maintenant, il vient rétablir la vérité. Il vient rétablir la vérité. Oh, Kafouba, c'est garçon princesse. Kafouba parle trop. Kafouba, c'est parce qu'il a dit bon nom de Emmanuel Keïta. C'est pour ça qu'il parle trop. Ou mais, hein, on n'a jamais vu garçon comme ça. Depuis quand femme parle, et puis garçon vient, il vient faire vidéo. Ça, c'est garçon-femme, ça. C'est parce qu'il est ruiné aujourd'hui. Donc, quand quelqu'un parle, c'est qu'il est ruiné.
Kafumba, vous les blogueurs bêtes, bêtes là. Kafumba peut vous nourrir, vous tous. Vous les blogueurs, André a rien dans vos têtes là. Kafumba peut vous nourrir, vous tous. Voilà, mais écrivez ça que je n'ai pas gardé. Hein. Je vous ai dit, Kafumba n'est pas votre footballeur qui court derrière la grosse fesse à Abidjan là-bas. Là, hein. Écrivez ça. Hein. Eux, ils ont fini. C'est un petit djoula. Il a fini sa carrière. Il a placé son argent. Hein. Il n'est pas comme... Vous avez déjà entendu Kafumba, on dit joue 4 pour 4. Vous avez déjà vu Kafumba dans Coupé Décalé. Il ne boit pas, il ne fume pas. Il ne boit pas, il ne fume pas, il ne va pas dans maquis, il ne va pas dans bar, il ne fait rien. Et puis vous pensez que son argent est fini. Que son argent est fini. Parce qu'il vous a dit qu'il a vendu 2 immeubles. Donc pour vous, son argent est fini. Ah donc quand tu vends un immeuble, c'est que ton argent est fini. Vous ne connaissez pas compétent encore. Jouez avec ça. Donc si Kafumba est garçon princesse là, c'est que Chamberlain est garçon princesse aussi. Non, bien. Parce que Chamberlain l'a parlé plus que Kafumba. Si Kafumba est garçon princesse là, c'est que Peter est garçon princesse aussi. Parce que Peter là, il a parlé plus que Kafumba. Est-ce que vous là, vous êtes arrivé même? Est-ce que vous êtes arrivé? Donc tout n'a qu'à aller dans votre sens. C'est les autres qui sont maudits. Hein? Quand l'autre parle bien de Emmanuel Keïta. Maintenant, Emmanuel Keïta là. Moi, je pensais qu'on était sur le sujet de cotisation là. Pourquoi vous mêlez Emmanuel Keïta même à ça même? Moi, je pensais que vous, les blogueurs moutons là. Surtout celles qui puent là. Des filles qui puent à longueur de journée là. Venez dire que non, c'est Emmanuel Keïta qui a ruiné Kafumba. Elle a ruiné en quoi faisant? Elle a ruiné en quoi faisant? Kafumba est venu vous dire que c'est Emmanuel Keïta qui l'a ruiné. Que non, elle a ruiné Emmanuel Keïta. Kafumba n'a plus rien. Vous avez des miséreux et misérables avec des circonstances vraiment désagréables. Vous avez eu, à cause de vous, mais on veut couper la CAF à Paris, en France ici. Vos vies seront comme dans tout. Trou de cul là. C'est vous qui venez dire que non, les gens n'ont pas l'argent. Mais quand vous voyez la lutte de quelqu'un qui n'a pas porté les Givenchy, les Gucci Prada, qui n'a pas porté les... dont la personne n'a rien. Une bande de zozo. Bande de... tu vois les vies même, ça ressemble à rien. C'est eux qui savent que les gens n'ont pas l'argent. Voilà que vous, mais votre vie est compliquée, conséquent. Votre vie est con. Nye. Compliqué. Moi, mais je préfère encore même que. Emmanuel Keïta aussi là. Quand tu parles d'amusement aussi là. Elle là. Tu as venu dire, Emmanuel Keïta, je préfère que tu te mets à Kafumba. Demain, tu as une vidéo. Chic relation, hein. Elle là. Il n'y a pas de limite. Tu as venu dire, Emmanuel Keïta, je te vois. Elle est en direct là. Mais quand tu as venu dire, Emmanuel Keïta, je te vois. Kafumba même là. Chic. Tiens, demain matin, tiens, sur Facebook. Chic relation, hein. Le couple de la gloire. Elle, là, tu ne fais pas semblant. Dès que tu fais semblant d'être le Mahmoud, un Chamberlain. Moi, mes gars, gna. Et celle aussi, là, c'est quelqu'un aussi, là, elle est très rapide. Quand tu la branches sur un faux bangala, elle prend sa route et s'en là-bas en même temps. Tchi! Une femme peut être au milieu de beaucoup de bangalas sur la toile comme ça. Tous ces bangalas se promènent sur la toile. Quand il y a les bangalas, on cache quand même. Il n'a jamais vu ça. Le nombre de bangala de Emmanuel Keïta même. Qu'est-ce que Facebook là même? Attends. Moi seul même, je connais combien de bangala? Je connais Chamberlain. Je connais Peter. Je connais Kafumba. Je connais lui là. Lui qui a rappé en Côte d'Ivoire, qui fait vidéo maintenant là. Sur TikTok là. Je connais le monsieur là. Le monsieur qui se coiffe d'une manière. Vous cachez un peu. Tu allais prendre photo aussi. Mais Emmanuel Keïta, parfois aussi, mais elle a même là, faut lui parler aussi. Elle allait prendre photo. Et Kafumba là, ça rimait à quoi au fait? Tout ça là, c'est ça aussi. Quand la fille pense que la photo là, ça dit que elle, en fait, elle n'est pas fâchée parce que il y a eu photo. Hein. Au fait, quand elle voit ses ex. Et puis elle n'est plus le gars. Le gars est célibataire.
Emmanuel Keita s'est libéré, elle est célibataire. Donc il y a quelque chose qui peut se passer. Donc au fait, tellement dans sa tête, quelque chose peut se passer là. Elle est en train de tout gâter sur internet. Donc elle est là, dans sa tête là. Emmanuel Keita, Mugu Kafumbaika. Kafumba est venu défendre Emmanuel Keita. Alors qu'en vrai, Emmanuel Keita, elle est capable. C'est un coup, ça tue pas. De toute façon, on a déjà fait un enfant ensemble, c'est un coup, ça tue pas. Parce que si Emmanuel Keita sait que tous les injures qui se passaient sur internet là, Emmanuel Keita aussi, la photo qu'elle a lancée là, c'est missile. Hein. Parce que je suis sûr que Emmanuel Keita sait, ou même Kafuma lui a dit que non. Ah, est-ce que tu sais que le gars qui t'insultait sur internet, ou même les gens qui t'insultent là, c'est celle-là qui les payait. Parce qu'ils sont plus ensemble. Donc elle a dit, ah, d'accord, ok. Donc, elle est payée. Ok, bon, on va prendre une photo. Donc, Kafuma, c'est pas la photo. Mais Emmanuel Keita, là, je vous dis, hein, la fille, de façon, elle gère le game sur les réseaux sociaux, là. Emmanuel Keita, hey, c'est une gameuse, hein. Emmanuel Keita, elle a fini Internet, hein. Emmanuel Keita, c'est une gameuse, pas bien. Ne pensez pas que non, genre, tout ce qu'elle fait, elle ne calcule pas. Elle calcule tout. C'est une vraie gameuse. Elle a dit, ah, viens, on prend une photo. Kafuma, c'est pas où. Prends photo comme ça, elle fait. Dès que photo finit là, il s'est sur Facebook, bim. Dans un restaurant, deux. Sont deux seulement. Mais celle qui payait les gens pour insulter les. Quand elle voit sa folie, elle va la prendre. Ah, tout le problème. Je suis sûr même qu'ils étaient en chambre d'hôtel, puis ils ont appelé la goula pour dire. Pendant qu'elle appelle le mousseau, et puis elle met ça sur le palais, et puis elle dit, et puis elle cousait Kafumba, mais non, c'est rien, oh. Tchè. Donc la fille entend la conversation avec Emmanuel Keita, et puis Kafumba, oh, c'est rien, oh, c'est un coup, ça veut tuer quoi. Quand c'est quoi la fille au téléphone, c'est sûr qu'elle a le numéro de la fille. Emmanuel Keita calcule trop ses proies. Elle calcule trop. C'est que. Elle calcule trop ses proies. Elle sait où elle va taper, puis tu vas parler toute ta vie. Donc la fille, elle va pas arrêter de parler maintenant. Et elle va casser papo si Kafumba seulement. Elle va casser. Alors que le papo qu'elle casse là, dans le fond, là, c'est parce qu'elle a mal. Le seul fait qu'elle a vu maintenant Keita est Kafou là, ça fait mal. Donc maintenant Keita, faut arrêter tes calculs aussi. Donc du coup, je disais ici, dans le fond, Kafou, là, il n'a pas tort. Un homme doit se réserver, oui. Un homme doit tout prendre sur lui, oui. Mais vous-même, dans votre foyer, là, vos maris les prennent tous sur eux. Non, mais parlons vrai. Vous-même, dans votre foyer, là, vous les femmes, là, foyer que vous êtes dedans, ça fait 40 ans, 50 ans, là, ou même 20 ans, 10 ans, là, vos maris les prennent tous sur eux. Parfois, les crises, toi, non. Papa, il dit, hey, t'es connu, tu fais là, si t'amuses ici, là, tu vois ce qu'il y a dedans, non. Il te dit ça, non. Bon, si toi, mais ton mari fait ça, oh. Donc, pourquoi tu empêches les gens de faire pour eux? En toi, ton mari peut crier sur toi. Lui, il prend pas tout sur lui, hein. Mais c'est Kafumba qui doit tout prendre sur lui. Lui, il est les moutons, quoi. Alors, toi, ton mari crie sur toi matin, midi, soir. Mais lui, les moutons, lui, doit tout prendre sur lui. Hé, 30 millions, c'est pas petit, hein. Ah, faut pas jouer non là. C'est l'an du pays. Ils venaient jouer ballon, ils ont pris l'an du contribuable ivoirien, on l'a payé ça. Donc, l'an qui est dans sa main là-bas, là, c'est notre argent qui est dans sa main. Donc là, si elle n'est pas intelligente, là, non, lui rappeler qu'elle nous doit 30 millions.